Estelle Lefébure prend soin d'éloigner ses filles de la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Dans une interview pour Madame Figaro, la mère et son aînée Ilona Smet se sont livrées sur la préservation de cette intimité. La complicité entre Estelle Lefébure et ses filles Ilona Smet et Emma Smet est évidente. Proche d'elles, leur maman est là pour les protéger et s'assurer du bon déroulement de leur carrière. Car chacune évolue dans le milieu médiatique, l'aînée est devenue mannequin tandis que la plus jeune joue dans la série de TF1, Demain nous appartient. Respectant les choix de ses filles à qui elle donne des conseils notamment pour ne pas mélanger les relations professionnelles et les relations privées, Estelle Lefébure s'est confiée sur sa relation avec Ilona Smet dans une interview Madame Figaro. Alors que sa fille l'a photographiée pour son livre Ray, Vivre au rythme de son cœur, édition Flammarion, Estelle Lefébure confie, on a toujours été très proches. Et puis, à l'adolescence, ce moment qui peut être compliqué pour les parents et les enfants, on a réussi à ne jamais couper la communication. Également interrogée, Ilona Smet confirme leur lien fusionnel, « Ma mère a toujours été très protectrice, sans pour autant être étouffante. Je trouve qu'elle a trouvé la bonne distance. Pendant mon enfance, mes parents étaient toujours là pour nous guider, ma sœur et moi. » Dans son rôle de mère, Estelle Lefébure prend notamment soin d'éloigner ses filles du déballage médiatique autour de la bataille judiciaire pour l'héritage de Johnny Hallyday. Je suis là pour protéger mes filles et, moins elles seront éclaboussées par tout ça, mieux ce sera. Toute cette histoire est très intime et, en cela, elle n'appartient qu'à la famille, assure l'ancienne top modèle qui tient à préserver la vie privée de ses filles. Du même avis, Ilona Smet, à qui l'on a appris à être professionnelle dans son travail, n'est pas du genre à faire des commentaires sur ce que vit sa famille, certains voudraient savoir à tout prix ce que l'on pense. Mais on doit se protéger et rester discret. Pourquoi devrait-on, nous, étaler partout nos affaires familiales ? Nous sommes aussi une famille comme les autres.